Nous sommes de retour avec le numéro 1 de l'actualité ivoirienne. On parlera cette fois-ci de deux jeunes entrepreneurs ainsi que du réseau mobile Move. Niamke Afiba est une jeune adolescente de 15 ans qui vit et grandit à Mossou, dans la commune de Grand Bassam. Tous les habitants de ce littoral sont de grands consommateurs de crustacés. Parmi les fruits de mer dont ils raffolent, arrive en première place la moule et Afiba en a fait son affaire. Depuis l'âge de 13 ans, elle arpente la route internationale qui mène à la frontière du Ghana avec son plateau sur la tête pour proposer ses moules frites ou séchées à tous les passants ou voyageurs. À chaque heure, Afiba gagne 2000 francs CFA et d'ici la tombée de la nuit, elle épuise sa corbeille de 15 000 francs CFA de marchandises. Olga Kwasi est une jeune femme de 32 ans qui vit à Yamoussoukro en tant que gérante d'un hôtel huppé de la place. Cela faisait longtemps que les amis d'Olga attendaient le moment où ils viendraient la retrouver dans son propre bar. Aujourd'hui, c'est chose faite. Venue de plusieurs villes du pays et bien sûr d'Abidjan, ses amis sont arrivés le dimanche soir du 10 novembre pour la grande inauguration du bar Le Patio de chez Olga. L'on pouvait compter au nombre des invités l'amicale de motards de la région du centre, quelques employés d'hôtellerie, des parents et personnes simplement attirés par le petit orchestre invité pour l'occasion. Sur la période du 3 au 9 novembre 2019, les commentaires de plus de 1400 internautes ont été passés au peigne fin pour se rendre compte de la tendance des avis des utilisateurs du réseau mobile Move. Il en ressort qu'après l'examen de 34 publications prises sur Facebook, YouTube et Instagram, 23,53% des avis sont positifs contre 76,46% de négatifs. En parlant des points positifs, pour certains abonnés, Move est le bienfaiteur en matière d'Internet. C'est lui-là même qui est prêt à donner des bonus jusqu'à 3 fois dans la semaine. Il précise même qu'à partir de minuit, la connexion Move fonctionne très bien. Cependant, d'autres abonnés ont tenu à mentionner le pass Internet de 1 gigaoctet à 600 francs CFA qui est passé à 700 francs sans avertissement préalable. Conquérir sa joie vaut mieux que s'adonner à la tristesse. C'est sur cette citation d'André Gide que se termine notre journal. Merci de votre attention et à très bientôt.